Donc, présentation d'une charge de condensateur d'un redressement simple à alternance avec une décharge dans une résistance qui peut être une alimentation. Donc, on voit que la tension ici oscille entre 5 volts et moins 5 volts. Donc, les valeurs sont ici de 6 volts. Voilà. Voilà. Et puis, donc, si on lance la simulation, on voit que le condensateur se charge en alternance positive, à l'alternance négative, il se décharge dans la résistance. Alternance positive, le condensateur se charge. Donc on peut aller plus lentement pour mieux voir les choses. On va mettre 0,1 Hz. Voilà. Donc alternance positive, le condensateur se charge. Alternance négative, on n'a pas de courant. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se décharge dans la résistance. Voilà. Alternance positive, hop. Voilà, il se décharge, etc., etc. Bon, pour voir le graphe ici, on va revenir à. Bon, on peut laisser le graphe. Vous allez voir, là, on va descendre plus bas, peut-être. Voilà, on va mettre une constante de temps de. On va faire une mesure pendant 20 secondes. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que là, donc là, on va mettre 20 secondes aussi. Voilà, là, on a la tension. La tension sinusoïdale par le générateur. Donc alternance positive, le condensateur se charge. Alternance négative, le condensateur se décharge. Alternance positive, il se recharge. Alternance négative, il se décharge. Donc en fin de compte, là, en sortie, on a une tension qui peut être après filtrée par un régulateur, un redressement simple alternance avec un condensateur de filtrage. Donc si on notait ce condensateur, eh bien, on n'aurait que l'alternance positive. Donc on aurait hop, l'alternance positive et puis rien. Vous allez voir si j'ôte le condensateur. Voilà. Si je lance la simulation. Voilà. Donc alternance positive. Pas, alternance négative, elle passe pas. Alternance positive. Et le fait de mettre le condensateur. Eh bien, j'ai ce résultat. Voilà. Donc, redressement simple alternance avec une résistance de charge qui simule le montage qu'on a derrière le condensateur.